qu'en deux, bah quand vous voulez. Il manque plus que la sélection de la couleur de Pim pour Salim qui vient de la valider. Parce que Luffy joue à gauche, il joue donc Mikey Vice en général dans cet ordre là. Et en face on a la tier list hein, qui parle, puisque Salim joue EX Yori, Mister Karate Kim dans cet ordre là également. Trois persos étant considérés parmi les plus forts du jeu, tandis que la team de Luffy est plus mi-tiers, voire même low-tiers pour le moment. Allez, c'est parti pour cette finale en direct de Rennes pour cette 10e édition du Stunfest. Avec l'agression immédiate de Luffy contre ce EX Yori qui trouve l'ouverture avec son gros point, mais il n'y a pas de combo, c'est dommage. Le stun CD en entière. Le stun gros point en entière qui est rendu par Salim. Ce CD qui touche Cooper, malheureusement il n'y a pas de rattrapage, il n'y a rien. L'ouverture sur Babé, bien joué. Le petit bug, mais le rattrapage, la chope pour Yori. EX, Reka, rien, c'est dommage. On aurait pu faire beaucoup plus de dégâts là, Salim. Saut arrière, gros point, le Ryu M qui touche. Allez, Dojta. Salim qui était en mode agression, mais qui s'est fait stopper par Luffy, qui se laisse pas faire. Le Sten gros pied, et Reka. Et ça tue. Luffy qui s'en veut. C'est assez équilibré, finalement, ce premier round. Même si Salim avait trouvé l'ouverture pour prendre l'avantage, Luffy était plutôt bien revenu. Non, c'est Salim de faire le pass contre la kill de Luffy qui est très certainement son meilleur personnage. Il joue très bien à distance avec boule et toute base. Ouais, c'est complètement lâché là, Luffy. Le piège, on est pas trop activé de la part de Salim. Dragon, Reka, Reka, Dragon, Reka, Reka, Dragon, le max. Bon. Et on va activer ça, mais peut-être le follow-up, si vous pouvez également Reka, oui, c'est tout à fait. Allez. Plus de 50 points de vie pour c'est le King qui est pressé dans le coin, un coup de gros point, sauf gros point, gros point. Salim qui a complètement agressé Luffy, hein, il n'y a pas de solution malheureusement. Salim qui a bien joué, qui a pas utilisé la Neomax, même si je pense que la Neomax pouvait tuer au niveau des dégâts. Et la Vice, donc le dernier espoir pour Luffy, ce gros pied avant. Ah, c'est dans la garde pour le moment. Oh, c'est des rattrapages avec JX et Sharp, avec le combo qui va bien, super cancel, malheureusement ça tue pas, ça va être chaud. Et le dragon bien exécuté de la part de Salim pour gros point, c'est une bonne garde et la chope pour cette Vice. Et Luffy qui a encore une part de revenir puisqu'il a gardé son drive. Il a encore pas mal de barres de super. Rappel hein, pour ceux qui ne connaissent pas le perso. Il a un coup qui rattrape dans toutes les conditions possibles. Il a une barre de super. Ce genre de lasso mais en version EX. Que Luffy va certainement chercher voilà, le corner avec ce fameux lasso dont je vous parlais. Allez, on va faire combo. Déjà 50% perdu pour Mister Karate. La prochaine touche risque d'être très fatale si Luffy touche. Même du côté de Karate, hein, il a bien fait son backstab activé, son drive complet. C'est complètement fait. Non, et voilà, je vous parlais de backstab, c'est parti. Allez, donc, combo Karate qui fait tout plein d'écran. Qui arrache beaucoup, est-ce qu'il va faire tout le combo? Oui, petit point avec la boule, gros petit point, et normalement il termine avec la boule. Max, le crème, Shinda. Pour un petit 84 de famille, 83 pardon. Bono déjà. Et 83 pour le premier match pour Salim. Salim. Très bien joué de la part de Salim. Voilà. Salim qui est content car le public est en sa faveur. Il semblerait bien que ce soit le cas en effet. C'est... Avec ce petit 83 hit combo. Allez, faut encourager quand même Luffy là pour avoir. Il a pas voulu sa place, allez. On est derrière Luffy quand même, on n'est pas chauvin. Allez, saut CD, bah Luffy qui est bien élancé dans ce premier round du deuxième match. A mis déjà Yagami dans le coin, le dragon très très bien exécuté. C'est bien vu, c'est NCD, bien vu ça. Ah, il aurait pu essayer de trouver une embrouille avec un cross-up. Mais c'est pas venu. Allez, saut gros pied. Se contrer, balayette en two-in-one avec un éventail. Ah, c'est bien vu, Luffy qui se laisse pas faire. Légère avantage pour Luffy. Mais il reste encore beaucoup de secondes. Le dragon. Bien joué ça. Le Ryu Enbu qui touche, 7 CD,
Bonne garde, rattrapage au gros point après Scooter. Ça joue très, voilà, très, très carré. Allez, Sten CD. Salim qui arrive à comprimer un petit peu Luffy dans le coin. Avantage à Salim. Sous CD. Oh là là, bien joué. Bonne garde de la part de Luffy. Sten CD. Il est ventaille. Chopex qui est invincible. Le bug. Et Salim qui est bien lancé. Luffy qui n'est pas du tout dans cette rencontre. C'est difficile pour Mario en même temps parce qu'elle n'a pas vraiment de réversal à la relever, elle n'a pas vraiment d'anti-air qui puisse vraiment casser le pressing de Yori ou de Perso. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gratuit de ce point de vue là. Et heureusement que King est là pour combler ce manque. Tu en as des kicks. Ah dommage, il l'a fait un tout petit peu trop tard. Il n'aurait pu toucher. Allez, Salim qui a essayé de partir avec le maximum de cadeaux, ce sera pas le cas. Et donc il y a King de Luffy qui revient tout simplement dans la partie qui remet les deux joueurs à égalité. Il va certainement aller chercher plus loin forcément. Mais voilà, Monsieur Karaté. Mister Karaté, le perso peut-être l'un des plus forts du jeu. Là, il avait failli avoir une ouverture avec ce saut gros pied, la touche de cross-up. Luffy qui va moins jouer sur les Fireballs, étant donné que Monsieur Karaté a un contre en fait qui pourrait faire changer la tendance. Qui permet tout simplement de se téléporter. Voilà. Donc il va essayer de les mettre. Oh, bien joué la masse en entière. Attention aux dégâts là sur les 3 boules, ça fait 150 à peu près. Il va rester encore une furie en stock, voilà. Là voilà le contre qui permet à Monsieur Karaté de réduire l'écart. Allez, le Venom Strike, il retombe dessus, attention. Oula, oh là là, le avant B là qui aurait pu faire mal, le saut CD, le cross-up trouvé, mais le combo n'est pas au rendez-vous. Le contre, pour revenir, à des chops, ça c'est bien vu ça. Pour l'instant, Luffy qui est quand même prudent, mais qui est mené à la vie. Le contre qui n'a servi à rien sur ce coup-là. Course gros point. Le cross-up, c'est bien gardé. Le décalage babé. Kogen et Max, Liu Kremb. Ça tue, hein. Et je pense que ça va tuer. Todo Meja. Ah non, il reste rien. Kogen. C'est chaud. Oh oui, bien vu le décalage. Chop. Ah, bien vu, on est dans l'autre sens. Luffy qui a été trop gourmand. Pour bloquer le cross-up. Vu de la part de Salim, c'est très bien joué. Très très bien joué. Et Salim qui prend clairement une bonne option sur la victoire dans ce match. Mais ne sous-estimez pas la vice de Luffy. Clairement pas. Surtout quand on a 4 barres full drive. Comme ça peut être très très vite. Bien joué ça. Décalage pour faire penser à la choc. Comme trap. Allez. Hey. Repêchage. Tag. Voilà. Allez. Encore un combo. Et il y a moyen. Ouh. Vous confirme là. Allez. Hey. 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 Et s'il se rate pas, c'est la mort normalement. Et la mort sur Léo Max. Il l'a halalé. Halal. Très bien joué. Bien très joué. Très très bien joué. Salim. Salim qualifié pour la grande finale. Il est qualifié pour la grande finale. Et donc je vais demander à Louis Chat. À Louis Chat de faire son entrée sur Exactement. Scène. Exactement.